toi, l'internaute qui est juste derrière, juste derrière l'écran. Franchement, fonce. J'étais réticent avant de venir en Australie et un de mes meilleurs amis m'a conseillé de venir. Je me suis lancé, j'ai pris l'initiative et je regrette pas parce que enfin, ma vie a pris complètement un autre tournant, quoi. Et en plus de ça, je m'améliore en anglais. Todo bien. Vraiment, je ne m'attendais pas à un cadre comme ça par rapport à ce que mes responsables en France sur Paris me disaient. Ils me disaient « oui, vous n'allez pas être déçus, ça va être génial ». Mais c'est vrai que je suis très très surprise et agréablement surprise parce que c'est juste le top. D'un point de vue étudiant de 22 ans, j'ai vu plusieurs écoles, j'ai eu la chance de faire plusieurs cursus qui m'ont permis de… voilà. Je suis d'origine de Versailles, donc j'ai pas à me plaindre. Mais c'est vrai qu'ici, je m'attendais pas à ça. C'est pas à cette qualité. Dès le premier jour, ça a été… Bon, le premier jour, c'est toujours le basique. Donc, on arrive, ils nous expliquent un peu tout. En soi, je me suis pas senti en cours. Enfin, c'est des cours, mais c'est relaxant. C'est, les profs sont des jeunes comme nous, généralement. Ils sont un peu plus âgés, mais ils sont pas forcément super âgés non plus. Et c'est plus du plaisir, on rigole énormément et ça nous a mis vraiment dans l'ambiance qu'on est en cours mais qu'on est aussi en vacances pour en profiter. Et tout le monde, pas qu'à moi, ça nous a fait vraiment plaisir d'y être comme ça, d'arriver ce jour-là et d'être pris en charge en vacances scolaires. On va appeler ça comme ça. Mon prof de Cambridge était fabuleux et connaît son travail sur le bout des doigts et… Je pense que j'ai jamais eu un prof aussi bien dans toute ma vie d'école. Ça a été sympa, on nous met bien dans le jus, les cours sont fluides, on s'intéresse vachement à nous quand on a besoin d'aide. Et surtout, il y a des activités qui nous permettent de nous améliorer. Bon, c'est plutôt pas mal, quoi. Les locaux sont juste top, c'est hyper coloré, donc ça donne envie de rester dans les locaux. C'est hyper moderne, c'est des petites salles vraiment cocooning où vraiment on peut, c'est pas trop serré, c'est pas trop grand, donc on a vraiment cette proximité avec les gens. Et en même temps, c'est vraiment très spacieux, on a plein d'espaces où on peut vraiment rencontrer les personnes, que ce soit le corps professoral ou bien les étudiants. Et vraiment, c'est génial parce qu'on peut vraiment ramener notre nourriture, on peut manger avec nos copains, nos copines. On est à l'autre bout du monde, on n'a pas nos parents, nos habitudes. Mais c'est vrai que dans cette école, on se sent quand même très entouré. Mais alors depuis que j'étais ici, tout s'est bien passé. J'ai été pris en charge en permanence. Il y a tout ce que j'avais besoin, je pouvais le trouver à l'école ou avec ma famille d'accueil. Si quelqu'un hésite à venir, je lui dirais fonce dans cette école. C'est… le programme est génial. C'est des vrais cours d'anglais où on en sort en ayant appris des choses. La location de l'école est parfaite à côté d'Arling Harbour, dans le centre-ville. Les gens sont super sympas, donc juste fonce. Il faut y aller, sans hésiter. Ma vie ici, je m'amuse, je travaille, je fais tout. C'est génial et je recommande vraiment cette école pour quiconque souhaiterait passer des vacances et en même temps profiter de faire des cours d'anglais et travailler. Je n'ai pas regretté parce qu'en 4 semaines, j'ai pu améliorer mon anglais. Ça m'a donné des bonnes bases. Et donc du coup, maintenant, j'ai trouvé un appartement et j'ai trouvé un travail assez facilement. Enfin, d'un point de vue prix et qualité, on est très bien, quoi. Il n'y a rien à dire. Et encore une fois, merci. Merci. Ah oui, l'Australie, c'est génial. C'est salvateur. C'est salvateur.